Yes! Yes! Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouveau plan d'eau qui a ouvert ses portes cette année, dans le 86, près de Châtellerault. Donc ici, on est à l'étang de JR Pêche, près des Goupillères, très proche de Châtellerault. C'est un ami à moi qui a ouvert ça donc cette année, dans le 86, et c'est une nouveauté. C'est la première fois que je vais venir le pêcher aujourd'hui. J'ai eu quelques petites infos, je sais qu'il a fait un alvinage cette année, donc quand il a ouvert son plan d'eau. Il y a de la coille, il y a un petit peu des surgeons, il y a des beaux poissons à faire. Voilà, je pense que ça va vraiment être sympa. On va faire une pêche. On va commencer donc ici à 9,50 m et puis petit à petit on va avancer. Je vais faire une pêche composée de maïs. J'ai fait de la pâte et j'ai du baby corn. Et j'ai aussi des petits pellets que j'aimerais essayer de chez Sansa, c'est super krill qui vont aller avec la pâte avec laquelle je vais pêcher. Donc j'ai fait deux lignes. J'ai fait une première ligne avec un PS2 en 0,40 g sur une ligne en 18 centièmes pour pêcher principalement eh bien, au petit pelet, au maïs et au baby corn. Et j'ai fait une deuxième ligne, une ligne à pâte avec un bouchon en 0,50 g du 20 centièmes, hameçon numéro 10 sans ardillon, voilà, sur un élastique en 2,8 creux si je dis pas de bêtises. Sur l'autre ligne, on est en hameçon numéro 12 sans ardillon, un corps de ligne en 18 centièmes et un PS2 en 0,40. On est parti pour pêcher la journée, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas déjà à lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo. On est parti, on va pêcher, let's go! Bon allez, c'est parti, je vais commencer avec une pêche au maïs pour voir comment ça commence. J'aime bien commencer avec le maïs, ça permet de voir un petit peu comment sont éduqués les poissons. Ici je sais qu'elles sont nourries au baby corn et au pelé, mais le maïs c'est universel, ça marche partout. Alors je commence avec une pêche au maïs. Premier poisson de cette session, une jolie tanche, il y a de très jolies tanches dans ce plan d'eau. Et bien voilà, une première belle, environ 2 petits kilos je dirais au moins. Super poisson, on continue. Bon les amis, on n'est qu'à la moitié de la journée, c'est le premier jet de la bourriche et il y a un petit peu plus de 38 kg. Donc voilà, avec vraiment des beaux spécimens, des belles carpes touchées au maïs et puis touchées à la pâte et puis au petit peu les mous. Et Johannes, le propriétaire de l'étang, voilà, vous montre un petit peu les magnifiques torches que vous aurez la chance de taper ici. Des beaux parpaings. Ah, celle-ci, t'as vu celle-ci comment elle est belle là? Oh là là. Des très jolis morceaux. Ah ouais. Voilà. Bon, voilà. On remet tout ça à l'eau et puis il nous reste une demi-journée encore de pêche. Et puis
on fait le total à la fin de la journée, mais à mon avis... Ça promet une très belle pêche. On va peut-être refaire à la mi-journée encore une deuxième fois une bourriche pour pas que ce soit trop lourd à la fin. Allez. Les beaux poissons comme ça cet après-midi, on va pas les laisser en bourriche parce qu'il va faire chaud et il fait chaud. Alors je vais les relâcher tout de suite. Donc je vais vous la montrer. On la comptera pour le poids final. Je vais l'estimer. Elle doit faire 3 kg à peu près. Jolie commune sympa. Voilà, à peu près 3 kg, on va dire 3 kg. Donc je vais la relâcher et on la comptera dans le poids final. Bah voilà, j'en profite pour faire une pause pour vous présenter la bière que je vais boire aujourd'hui. Donc c'est Time Out de chez O'Clock Brewing, c'est une américaine pale ale de mémoire il me semble, voilà c'est ça. C'est une bière que je vais déjà présenter sur la chaîne mais que j'aime beaucoup, donc voilà, j'aime boire ça cet après-midi. Et pour ceux qui veulent goûter de la bière traditionnelle tchèque, elle revient très bientôt, je vais continuer à vous en représenter de chez Czech Prestige Bière. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, le lien c'est dans la description. Et vous avez toujours 7% de réduction sur votre panier total avec le code promo TILENFISH7. Allez, santé les amis! Oh c'est une coille! Oh c'est une coille! Aïe 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 aïe, je ne veux pas que je la perde. Oh j'ai la pression. Oh j'ai la pression de ouf. Non. Oh non. Non. Ah oh, fais chier. Ah oh, putain de merde. Putain ça me pète les couilles. Thank you.
putain, la pression, j'aime pas ça, ça me fout la pression. Yes! Ah purée! Ah, je suis trop content! Putain! Oui! Bon les amis, aujourd'hui, je vais enlever tout ça. Aujourd'hui c'est un grand jour. Ça y est, je vous dis que ça fait plus de 15 ans que je pêche la carpe et je n'ai jamais touché une koi. Et là, ça y est, c'est aujourd'hui. Oh, j'en reviens pas, vous pouvez pas savoir mon niveau de bonheur. Là tout de suite actuellement quand je vois ce poisson, c'est un truc de dingue. Elle est magnifique. Regardez ça. Regardez-moi ce poisson jaune. Une vraie gold. J'ai pas de mots pour définir mes émotions là tout de suite, mais c'est un truc de dingue. Ça fait des années que je cours après ce genre de poisson trophée. Et c'est aujourd'hui quoi, c'est un truc de dingue, j'en reviens pas. Je peux vous dire que je vais faire des photos. Pas la laisser trop longtemps hors de l'eau. Vite la remettre dans son élément, mais là c'est le summum. Et voilà mes amis, fin de partie de pêche. Il y a encore 30 kilos dans ici, dans la bassine. J'en ai chié à lever. Donc voilà, une superbe bourriche une deuxième fois. Vraiment au top. Je suis vraiment content de ma journée de pêche. On a fait vraiment des tanches. Ouais, elles sont petites, j'ai pas fait de grosses tanches cet après-midi. On a fait des tanches vraiment jolies. Il y a un beau poisson que j'ai gardé pour vous montrer à la fin. Voilà le genre de joli poisson qu'on peut faire ici. Il y a encore plus gros que ça apparemment, m'a dit Johannes. Voilà, le petit alvinage du mois dernier. Voilà, des petits carpeaux, des petites miroirs qui promettent dans le futur. Et puis on se rappellera longtemps, je pense, moi personnellement, de cette journée où je fais ma première koi après 15 ans de pêche à la carpe. Enfin, libération. Non, je suis vraiment très heureux de cette journée. Une pêche vraiment sympa, un plan d'eau très bien géré et très joli, avec beaucoup de potentiel encore à exploiter, avec un deuxième étang qui bientôt servira à un nouveau projet. Merci en tout cas Johannes de m'avoir invité. On va se revoir très vite parce que je reviendrai faire d'autres poissons, d'autres sessions. Recapturer la koi que j'ai loupée cet après-midi, la belle orange. Voilà, c'était que partie remise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Gros pouce bleu pour la koi et puis pour la session de pêche entière. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez également souscrire à la chaîne pour participer au prochain concours et gagner des cadeaux. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire, vous, quel était votre plus beau poisson que vous ayez pris. Je vous dis à très bientôt mes poulets, c'était Valentin. Salut !